Les questions ouvertes numériques. Les questions ouvertes sont des questions dans lesquelles le répondant pourra rentrer ce qu'il souhaite sans contrainte. Il existe deux grands types de questions ouvertes, les questions ouvertes numériques, dans lesquelles on rentrera des nombres, et les questions ouvertes texte, dans lesquelles on saisira du texte que l'on verra un petit peu plus tard. Concentrons-nous pour l'instant sur les questions ouvertes numériques. Ici, on va demander au répondant de rentrer une valeur. Prenons par exemple une question du type « Combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois ?» Il peut répondre 1, 5 ou 10. Donc, on va rajouter une question. On clique sur le plus dans la section Votre opinion, ça c'est très bien. On va poser la question donc combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois? On va indiquer qu'il s'agit d'une réponse courte. Et on va créer des contraintes, donc dans les options ici, pour pouvoir s'assurer qu'il rentre bien un nombre. Donc validation des réponses. Et là, on va indiquer que c'est un nombre qui doit être compris entre 1 et 20, par exemple. On peut mettre un texte d'erreur personnalisé. Donc là, je vais mettre entrer un nombre raisonnable. Et on pourrait également mettre une consigne qui précise qu'il faut rentrer un nombre entre 1 et 20. Donc pour ajouter une description, une consigne, on reclique ici sur ces trois petits points, description. Et là, on va ajouter saisir un nombre de tablettes. Saisir un nombre de tablettes compris entre 1 et 20. Ça, il sait exactement ce qu'il doit faire. Alors, au niveau de l'aperçu, je clique sur l'œil. C'est donc dans la rubrique Opinion, donc c'est la troisième page. Il faut que je réponde oui ici. Suivant. Et là, j'ai bien combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois? Si j'écris 36, il me dit entrer un nombre raisonnable. Si je rentre 25, il me dit aussi entrer un nombre raisonnable. Par contre, si je dis 12, normalement, il ne va pas me poser de problème. Donc, je vais pouvoir contraindre les réponses de l'utilisateur.